lorsque le niveau devient critique et très très élevé, eh bien le dommage encouru, c'est ça, c'est l'épuisement professionnel. Et donc la prévention du burn-out passe par une bonne prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Sébastien Vaumoron, je suis consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. J'interviens dans des entreprises de petite taille et aussi dans des grands groupes, soit pour faire des audits, soit pour faire de l'accompagnement d'entreprises sur le management et également pour faire de la formation. Un burn-out est un épuisement professionnel. Le terme de burn-out est un terme générique. En France, il y a la Haute Autorité de Santé qui a défini un syndrome d'épuisement professionnel et dans le dossier, il y a mis après entre parenthèses burn-out. Il y a dans ce syndrome d'épuisement, il y a un épuisement émotionnel, il y a une dépersonnalisation et puis il y a un épuisement cognitif, le fait que les personnes n'arrivent plus à faire leur travail tel qu'elles devraient le faire. Elles sont épuisées. Donc ça, c'est la définition qu'on pourrait dire médicale. À côté de ça, il y a le Code du travail qui ne définit pas clairement le burn-out, mais qui dit que l'employeur doit veiller à la santé et sécurité de ses salariés. C'est assez important, la santé psychique est comprise dedans. Et les salariés doivent eux-mêmes veiller à la santé et à la sécurité d'eux-mêmes et des collègues. Et puis, il y a ce document unique d'évaluation des risques professionnels qui liste notamment les risques psychosociaux, qui sont la charge et l'intensité de travail. Enfin, il y a 6 domaines. Et souvent, ce qui est convoqué dans le burn-out, c'est l'intensité, la charge de travail, l'épuisement émotionnel. Et puis, il y a un troisième aspect qui est important, c'est l'aspect du terme lui-même, burn-out. En fait, il y a une dilution du sens burn-out et puis une extension. L'extension, c'est le fait que le burn-out, qui au départ était plutôt professionnel, aujourd'hui se retrouve utilisé pour le burn-out parental, le burn-out du colibri, etc. Donc ça, c'est l'extension du sens. Et puis la dilution, c'est le fait que si le burn-out est un niveau d'épuisement professionnel, eh bien, il y a des personnes qui se disent être en burn-out lorsqu'elles sont en fatigue professionnelles. Elles ne sont pas épuisées, mais fatiguées. Et quand elles sont fatiguées, un week-end, quelques vacances suffisent à retrouver une bonne santé, alors que quand il y a un épuisement, ça ne suffit pas. Ce sont des mois d'arrêt de travail. La prévention du burn-out passe par une bonne connaissance d'abord de ce qu'est le burn-out et comment on peut arriver à ce stade-là. Ça passe également par le bon respect de l'obligation de l'employeur et du salarié sur la santé et la sécurité. Les risques psychosociaux qui ont été identifiés dans le rapport GOLAC et qui sont au nombre de 6 listent justement ces domaines de risques qu'il y a. Et lorsque le niveau devient critique et très très élevé, eh bien le dommage encouru, c'est ça, c'est l'épuisement professionnel. Et donc la prévention du burn-out passe par une bonne prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Le burn-out en tant que qu'épuisement professionnel est le même, par contre le rapport au travail qui va amener ou pas la situation de burn-out, elle peut être différente. Lorsqu'on est en France et qu'en France on peut avoir 2 ans d'arrêt de travail avec l'assurance maladie qui donne une indemnité et puis on peut avoir un licenciement et 2 ans d'indemnité de chômage, la question du travail et de son épuisement au travail se pose différemment des pays où on a simplement 10 mois d'indemnité ou 6 mois ou aucune indemnité du tout. Évidemment, quand on n'a aucune indemnité ni en matière de santé ni en matière de revenus, eh bien, on ne va pas aller jusqu'au bout de l'épuisement parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on ne va pas pouvoir vivre pendant des mois. Alors, ce livre, Le paradoxe du burn-out, c'est un livre qui fait suite à une enquête qui a été menée pendant le premier confinement. J'ai enquêté auprès de plus de 200 professionnels, des médecins du travail, des médecins généralistes, des psychiatres, des médecins conseils également, mais aussi des avocats, des juges prud'homaux, des responsables de ressources humaines, des chefs d'entreprise, des managers, des assistants sociaux, psychologues du travail, etc. J'ai fait des entretiens d'une heure à chaque fois dans 15 pays francophones et sur 3 continents. Et puis, il y a eu un questionnaire qui a été rempli par plus d'une centaine de personnes burn-outées, c'est-à-dire en arrêt de travail pour burn-out. Et puis, j'ai également fait une étude complémentaire sur le télétravail qui, dès le premier confinement, a mis en avant des risques qui étaient majeurs d'épuisement. Et donc, ce livre n'est pas la retranscription des résultats de ces enquêtes-là, mais une prise de recul sur ces enquêtes avec une mise en réflexion des paradoxes qui peuvent se dégager dans notre société, dans notre construction éducative, sociale et au niveau sanitaire également, sur la prise en charge et la prévention que l'on peut mettre, et puis les situations professionnelles qui nous amènent à être en burn-out.